Salut les filles, alors je reviens vers vous avec une séance de gymnastique abdominale hypopressive spéciale anti-diastasis. Donc vous pouvez bien évidemment faire ces exercices pendant la grossesse et bien évidemment après si vous avez un diastasis assez important. Et bien évidemment toute personne peut faire ces exercices pour renforcer son transverse, son périnée et avoir une taille de guêpe car nous travaillons, je vous le rappelle, le muscle transverse qui est le muscle qui s'insère sur les vertèbres et fait le tour, la circonférence. Donc plus vous le travaillez et plus vous aurez un resserrement et une taille de guêpe. Donc voilà, on y va pour les exercices. Je vous propose de prendre un élastique ou une écharpe et un tapis. Alors, le premier exercice, je vais vous proposer de vous allonger. Alors toujours les consignes de base, un allongement de la colonne vertébrale, donc de la tête jusqu'au coccyx. Faire le mouvement sur le temps expiratoire en serrant le périnée et en serrant le muscle transverse. Donc on y va pour le premier exercice. On s'installe. Donc bien rentrer le menton, poser les vertèbres à plat. Hop, on prend l'élastique et on va inspirer, souffler par la bouche. Et au moment où vous soufflez, vous écartez l'élastique en serrant le périnée et en serrant le muscle transverse. Donc vous devez vraiment avoir votre ventre et vos organes qui remontent vers le haut. On y va, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Vous pouvez faire 10 répétitions dans cette position. Exercice suivant, je vais vous proposer de vous attacher avec l'élastique au niveau des cuisses. On se remet dans une position d'allongement et là je vais même vous proposer de mettre les mains sous la tête et en fait pour vraiment appuyer votre tête et déposer toutes vos vertèbres sur le sol. Vous écartez, vous mettez les jambes à 90 degrés. Et ici, sur le temps expiratoire, je vais vous demander d'écarter les pieds. Donc, on y va, on inspire, on souffle, on écarte les pieds, on serre le périnée, on serre le transverse et on tient sur tout le temps expiratoire. Donc, on y va. Vous devez vraiment aller jusqu'au bout de l'expiration pour vraiment sentir que votre muscle transverse se contracte. Donc, pareil, 10 répétitions. Exercice suivant, on va mettre les jambes à 90 degrés sur le côté, les deux bras bien allongés autour des oreilles. Et même chose, on va inspirer, souffler et écarter les deux pieds l'un de l'autre, en serrant le périnée et le transverse. On y va, on inspire. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire de belles expirations longues et profondes. On inspire, on souffle. Ok, 10 répétitions. Bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle.
Inspire. Souffle. Alors, les exercices suivants, on peut se détacher. On va se mettre en assis tailleur, les deux ischions bien posés sur le tapis. Vous pouvez même vous coller contre un mur en fait pour avoir l'allongement. Après, si vous savez le faire sans le mur, c'est quand même plus pratique. Alors, faire comme si, donc il y a un fil qui tire sur la tête, bien allonger la colonne vertébrale. On prend l'élastique comme ceci face à soi. On va inspirer, souffler. Écarter en serrant le périnée et serrant le transverse. Je remonte. N'oubliez pas la posture. Si l'exercice est fait dans une mauvaise posture, il peut être très dangereux et causer plus de dégâts qu'autre chose en fait. Donc bien d'abord vous concentrer sur votre posture, votre position avant de commencer tout exercice. Donc la position et un travail sur l'expiration. Et enfin, le dernier, même principe, les bras bien dans l'air, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc voilà les filles, c'était une petite série d'exercices de gymnastique abdominale hypopressive anti-diastasis. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres exercices, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou par message comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.